Le Centre Georges Pompidou, un bâtiment consacré à la lecture publique, à l'art et à la création contemporaine, construit à Paris entre 1970 et 1977. 1969, Georges Pompidou vient de succéder au général de Gaulle. Une de ses toutes premières décisions, c'est doter la capitale d'un outil culturel unique en son genre, rassemblant un musée d'art moderne, une grande bibliothèque publique, un centre de design et un institut pour la musique contemporaine, quatre grandes institutions empilées en un seul bâtiment au centre de Paris. Le plateau Beaubourg, un vide urbain créé en 1930 par la destruction d'un îlot insalubre, est devenu dans les années 60 un parking sauvage. 18 000 mètres carrés à l'abandon, le terrain idéal pour un projet aussi énorme. Pour la première fois en France, un concours international est lancé. Le jury, où siègent trois grands architectes, Oscar Niemeyer, Jean Prouvé, Philip Johnson, doit choisir entre 681 projets. Il y a de tout, un dôme métallique, des parallépipèdes inclinés, une grande tour. Un seul projet, le numéro 493, propose de n'occuper que la moitié de la parcelle et de laisser de la place à une place. Ces auteurs sont deux architectes totalement inconnus, jeunes et étrangers. Richard Rogers est anglais. When we first saw what the competition Quand nous avons vu le programme du concours, nous nous sommes dit que nous n'y avions pas notre place. C'était un concours pour un président. C'était un concours pour un monument. Et en Angleterre, les monuments, ça sonne mal. C'est un mot péjoratif. C'est hors d'échelle. Ce n'est pas à taille humaine. Et souvent, ça évoque le fascisme. Renzo Piano est italien. Chaque fois qu'on nous parlait de culture, Richard et moi-même, on avait mal à l'estomac. Et nous avions l'impression d'être complètement étrangers à l'esprit de cette compétition, à l'atmosphère du grand événement qui l'entourait. Et notre réponse était une vraie réponse de gamin, qui adressait presque un pied de nez à leur examinateur. Le pied de nez. Le projet Piano Rogers provoque immédiatement une polémique violente qui dure plusieurs années. Il y a même un procès. Comme pendant la construction de la tour Eiffel, les insultes fusent. Raffinerie de pétrole, hangar, tas de ferraille, monstre écrasant, atteinte au bon goût. Cette structure bardée de métal aux couleurs vives, c'est en fait l'irruption au cœur du vieux Paris de l'imaginaire d'un groupe d'architectes anglais, Archigram, des compagnons d'école de Piano et Rogers. Ils n'ont jamais rien construit, mais ils ont beaucoup dessiné. Des architectures démontables et transformables inspirées par les plateformes pétrolières offshore, les hangars du Cap Canaveral et les bandes dessinées de science-fiction. Des architectures souples, ludiques, mobiles et légères. Au-delà de leur volonté de provoquer, les utopies d'Archigram renvoient à la grande tradition anglo-saxonne de l'architecture métallique. À l'opposé de la France, où le béton est roi. À Beaubourg, le béton est en sous-sol. Un sous-sol qui occupe la totalité de la parcelle sur trois étages et où se cachent tous les équipements dont les contraintes techniques imposent la construction en dur, qu'il s'agisse de parkings ou de salles de spectacle insonorisées. Pour le béton, c'est tout. Thank you.
Toute la structure au-dessus du sol est un mécano géant. Un grand jeu de construction. Prenez un poteau, puis un deuxième poteau. Enfilez sur chacun des deux poteaux une poutre pivotante appelée gerberette. Posez la grande poutre qui fait la largeur du bâtiment. Les gerberettes sont en déséquilibre. Posez un tirant qui tire vers le sol l'extrémité de la gerberette. Faites de même de l'autre côté. Le système est en équilibre. Les efforts pour maintenir la poutre sont répartis entre poteau et tirant grâce à la gerberette. Reproduire l'opération autant de fois que nécessaire pour augmenter le nombre de poutres. 6 poutres par portique pour construire 6 étages, 14 portiques dans le sens de la longueur. Une seule ossature métallique pour faire tenir le bâtiment, une seule ossature affichée et visible. À l'extérieur comme à l'intérieur. Cette structure qui porte les planchers est stabilisée par des ajouts sur les façades. Des renforts métalliques en forme de V ou de X, fixés entre les poutres ou les extrémités des gerberettes. Les contreventements. Pour concevoir cette structure, l'équilibre des charges, la forme des poutres, les architectes ont fait appel à l'ingénieur anglais Peter Rice, qui va collaborer avec eux pendant toute sa vie et construira la toiture de l'aéroport de Kansai ou du module d'échange de Roissy. Toutes les façades du bâtiment sont en verre. Elles reflètent la ville et l'absorbent. Par endroits, les murs de verre disparaissent. Seule reste la trame, ouverte au vent et au ciel. Le bâtiment prend un air d'esquisse ou de chantier en cours. Le Corbusier disait que l'architecture, c'est le jeu de la lumière sur les masses. On pourrait dire en jouant sur les mots, ce qui change, c'est la masse. Et dans l'avenir, il y aura de moins en moins de masse. Beaubourg, bien sûr, est beaucoup plus transparent que la plupart des bâtiments de cette période. Vous ne regardez pas à travers de petites fenêtres carrées percées dans la masse. Tout est fenêtre, tout est solide, tout est structure. Il n'y a plus de définition, tout se confond. La structure du centre Pompidou est simple, répétitive, mais les architectes l'ont habillée de façon déconcertante. Ils ont accroché sur la façade à l'extérieur toutes les fonctions complexes qui normalement sont logées à l'intérieur d'un édifice. À l'ouest, face à la place et au centre-ville, la totalité des circulations, les coursives qui font office de couloirs sur toute la longueur de chaque étage, posées sur la partie la plus longue des gerberettes, et à l'extérieur des coursives, comme une seconde couche, le grand escalier mécanique qui permet l'accès aux 5 niveaux du bâtiment. L'image de la façade résulte de la superposition sur la trame de base de ces deux couches fonctionnelles. Protégée par une coquille transparente, l'escalier monte vers le toit telle une attraction de fête foraine. Face à la place, la fête. Face à la rue, l'usine.
À l'est, des architectes ont mis en façade les tripes du bâtiment. Les monte-charges pour le transport des grosses charges, les systèmes de climatisation, les alimentations électriques. Tout est montré, affiché avec gaieté. On n'a honte de rien. Bleu pour l'eau, vert pour l'air, jaune pour l'électricité, rouge pour les circulations, la machinerie des monte-charges dans de grosses boîtes rouges, la récupération de l'eau de climatisation dans de grands champignons blancs. Tout est logé dans cette même couche verticale, entre poteaux et tirants, dans la partie longue des gerberettes, la même où de l'autre côté les architectes ont logé les coursives. Je crois qu'on s'est toujours trompé à propos du centre Beaubourg, du centre Pompidou, en disant que c'est un monument à la high-tech, à l'haute technologie, puisque c'est en réalité plutôt une parodie de la haute technologie. Vous savez, j'ai toujours dit, si c'était un paquebot spatial, c'est plutôt un paquebot spatial dessiné par Jules Verne, c'est-à-dire quelque chose qu'il ne volerait jamais. C'était une façon pour exagérer le côté usine. L'usine est le seul type de construction dépourvu de complaisance où l'on fait ce qui est nécessaire à l'état brut. Comme dans une machine, tout ici est exprimé. Comme dans une machine, ce qui est produit est sans rapport avec la forme de la machine elle-même. La machine Beaubourg est une machine à produire de l'espace. De l'espace nu. En rejetant symétriquement vers l'extérieur les circulations et la technique, les architectes libèrent totalement les espaces intérieurs. Chaque étage, grand comme deux terrains de foot, est un immense plateau libre. 7500 m², sans poteaux, ni tuyaux, ni escaliers, sans murs, à l'exception d'un mur coupe-feu imposé par les pompiers. Une paroi isolante sur toute la longueur du bâtiment, du sol au plafond, et à tous les étages, une mesure de sécurité destinée à limiter les conséquences d'un incendie. Les seuls espaces fermés du bâtiment, c'est-à-dire disposant de quatre murs et d'un plafond, les blocs des sanitaires ou certains bureaux, sont des baraques de chantier, des Algeco, démontables, faciles à transporter et à fixer, grâce à des cadres métalliques accrochés au plafond. L'absence radicale de structures intérieures, c'est la réponse des architectes au casse-tête imaginé par Pompidou. Faire coexister dans le même bâti des institutions culturelles aux pratiques totalement différentes. Les expositions temporaires du musée d'art moderne et du centre de création industrielle, la bibliothèque publique d'information, les collections permanentes du musée, sans oublier les administrations du musée et du centre. Construire un bâtiment pour la culture, c'est déjà, je crois, très difficile quand on a 50 ans. Mais quand on a 30 ans, c'est vraiment impossible. On se posait des questions mille fois avec Richard. Qu'est-ce que c'est la culture ? Et on n'avait pas de réponse. Je crois que la seule réponse possible à ce moment-là, c'était de dire, on fait un abri, on construit un abri, un grand abri, et après, et on verra. Both Renzo and I came out from... Renzo et moi, nous avions tous les deux commencé en construisant des abris. Et c'est parce que les abris sont très flexibles. Ce sont des structures souples. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Ce sont des espaces fermés où l'activité peut être libre. Enfin, aussi libérée que possible des contraintes de la construction en dur. Voilà ce que sont les abris. À tous les utilisateurs, Piano et Rogers offrent la même liberté dans une joyeuse utopie où l'absence de murs préfigure l'interdisciplinarité et la disparition des institutions. Il
Ils imaginent en fait la totalité du bâtiment comme une gigantesque exposition temporaire où les cloisons se montent et se démontent au gré des projets, permettant d'inventer sans cesse de nouvelles configurations de l'espace. Bien sûr, les utilisateurs temporaires des expositions temporaires se sont fort bien accommodés de ce parti pris. Quant aux autres, dont les besoins sont plus permanents, ils ont dû reconstruire des espaces à leur mesure. Dans les grandes surfaces consacrées à l'administration du centre ou du musée, le besoin de constituer des espaces privés de travail ou de conversation est réel. On n'y trouve que des murs à mi-hauteur, des cloisons de 2 mètres de haut, compromis entre le paravent et la feuille de décor. L'IRCAM, l'Institut de recherche musicale dirigé par Pierre Boulez, avait besoin de murs, des vrais murs, des isolations acoustiques, du silence. Il est allé s'installer dans le bâtiment d'en face et sous la fontaine voisine. Inverse, la bibliothèque publique d'information, la BPI, répartie sur 3 niveaux, s'est inventée avec la flexibilité. Dans ces 15 000 mètres carrés, les seuls murs, ce sont les rayonnages remplis de livres. Il n'y a plus de séparation entre les espaces de conservation et les espaces de consultation. Les 1500 lecteurs lisent et travaillent au milieu des réserves. La recherche du livre à lire renoue avec le plaisir de la promenade. La collection permanente du musée d'art moderne, installée à l'étage supérieur, raconte une autre histoire. Pendant 10 ans, elle s'est accommodée tant bien que mal d'espaces ouverts, éclairés par la lumière du jour. Mais la nécessité d'un parcours de visite clairement lisible, les exigences de la conservation, les problèmes de lumière, en bref, les contraintes de la muséographie ont poussé la direction du musée à créer une nouvelle architecture. Comme elle avait construit un musée dans la gare d'Orsay, Gae Aulenti a construit un musée dans le centre Pompidou. Elle a recréé un système fixe de couloirs et de salles fermées. S'abritant de la lumière du jour, elle a conçu des lumières réfléchies sur des demi-plafonds qui occultent tuyaux, câbles et poutres. Le musée s'est abrité dans son propre décor, utilisant le grand plateau libre comme un plateau de cinéma. Le centre Pompidou ne se réduit pas à l'addition des grandes institutions qui le composent. Le bâtiment vit de sa vie propre, tourné vers la ville dont il est devenu un des grands repères. Le programme fixé par le président était lourd et la construction est énorme. 100 000 mètres carrés dans le centre de la capitale. Il dépasse les immeubles qui l'entourent de presque du double. Il a le gabarit de l'hôtel de ville ou de Notre-Dame. Il a 4 façades dont le piéton peut faire le tour. C'est un monument dans la ville. Bien sûr, c'est un monument. Le centre Pompidou, c'est un monument. On a toujours dit le contraire. Mais comment est-ce qu'on peut faire un non-monument dès qu'on construit une masse de telle importance sur le plan physique, du volume, et sur le plan fonctionnel? Mais à nos yeux, la place était aussi importante que le bâtiment. Dans une ville aussi dense que Paris, nous avons pensé qu'il ne fallait pas occuper la totalité du terrain disponible pour créer un parvis, une sorte de clairière qui est
finalement le lieu de l'urbanité. Elle crée le vide qui rend l'existence du centre possible et peut-être même nécessaire. Et c'est grâce à la place que le centre appartient à la ville. À l'époque, les espaces piétons en centre-ville étaient pour beaucoup synonymes de désordre. La place, la piazza, renvoie pourtant une vision idéale de la ville, celle de la Renaissance italienne. Elle est en pente douce, comme la place del Campo de Sienne. Elle invite le piéton à aller vers le bâtiment en douceur. Dans le projet d'origine, il n'y avait pas de séparation entre la place et le bâtiment. Le grand hall du rez-de-chaussée était un espace ouvert sous pilotis. La réalité du climat parisien a poussé les architectes à l'enclore dans le bâti. Jusqu'en 1995, le véritable repère, c'était le forum, un grand trou central, un espace destiné aux grands gestes d'artistes, aux installations, aux créations originales. Le trou a été bouché, mais reste un espace d'exposition. Dans le hall, le mouvement de la ville se poursuit. L'art et la vie quotidienne continuent de s'y mélanger. La piazza annonçait le bâtiment, le hall, c'est encore la ville. La vie de la ville se coule dans le bâtiment. Elle monte aussi en façade. Les circulations de la façade ouest ne sont pas seulement les dessertes du bâtiment, la solution technique pour libérer les espaces intérieurs. C'est l'aboutissement de toute une réflexion sur la confrontation du monument et de la ville. La façade entière est un lieu public, avec ses places et ses rues, où l'on accède sans billet ni contrôle. Le grand escalier mécanique est une rue intérieure qui poursuit le mouvement libre des piétons jusqu'au cinquième étage, face au grand panorama urbain, le seul lieu de Paris où la ville s'offre ainsi en spectacle. Un spectacle libre et gratuit. Il est difficile de dire du centre qu'il est beau. Il vaudrait mieux dire qu'il a l'air éveillé, intelligent, comme ces bébés qui remuent tout le temps et font de désespoir pour les parents qui veulent les photographier. Mais c'est quand même comme ça. Le bâtiment est vivant et aujourd'hui, 20 ans plus tard, il le prouve. Dépassant de loin les plus folles espérances de ses fondateurs, le centre Georges Pompidou reçoit chaque jour plus de 25 000 personnes. C'est le bâtiment le plus visité de Paris, loin devant la Tour Eiffel et le Louvre. Victime de son succès, le bâtiment s'est usé. Il aborde l'an 2000 avec 2 ans de travaux. Saura-t-il préserver sa double identité ? Et rester à la fois ce monument qui affirme la puissance publique et cette ville dans la ville, conviviale et généreuse ?